Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va tester un aspirateur à main sans fil sous batterie de chez Baseus, modèle A1. Regardons d'abord ce qu'on retrouve dans la boîte et les caractéristiques. Dans la boîte, on a le manuel en plusieurs langues, dont le français, une carte de garantie. Pour rappel, la garantie, si vous achetez sur Amazon France, c'est toujours de 2 ans, hein, garantie européenne. Un câble de recharge en USB type C. Il n'y a pas d'adaptateur secteur qui est fourni dans la boîte. On a aussi une buse d'aspiration avec brossette qui est escamotable. Et pour finir, l'aspirateur qui est vraiment très très joli, de couleur noire et au-dessus avec une teinte gris foncé. On retrouve sur le dessus le bouton power. À côté du bouton power, on a une petite LED qui s'allume en bleu, c'est l'indication de charge et d'allumage. À l'arrière, on retrouve le port de recharge en USB type C. C'est un petit aspirateur sans sac. Les dimensions, déjà la longueur fait 25,9 cm, la largeur de 5,8 cm et une hauteur de 5,6 cm et un poids de 372 grammes, 372 grammes. Son compartiment à poussière s'enlève assez facilement. Il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir. On a à l'intérieur le filtre qui est lavable. On n'a pas de filtre de rechange dans la boîte. Le bac à poussière est assez grand vu la taille de l'aspirateur. Le bac à poussière fait 110 ml. La buse est extensible, se place et s'enlève assez facilement. L'aspirateur intègre une batterie de 2000 mAh. Le temps de fonctionnement donné est de 25 minutes. La recharge dure 3 heures. On peut utiliser n'importe quel adaptateur de téléphone, n'importe quel port USB pour le recharger. L'aspirateur a une puissance de 35 watts pour une puissance d'aspiration de 4000 pascals. Maintenant, regardons ce qu'il donne vraiment en pratique. J'ai testé la puissance d'aspiration dans ma voiture. J'ai testé la puissance sur le petit fauteuil de mon enfant où il y a toujours plein de miettes, de biscuits, de pain quand il a fini de manger. J'ai aussi testé pour voir la puissance d'aspiration avec une plus grande quantité de saleté, comme de la terre qui pourrait tomber du pot de fleurs, du pot de la plante, avec la buse et sans la buse. Passons à ma conclusion. Déjà, pour moins de 30 euros, on a un petit aspirateur facilement transportable, que ce soit pour la voiture, le bureau, sa maison. Un petit aspirateur vraiment très très élégant, avec une très belle finition. L'aspiration reste assez puissante pour les petites poussières, les petites miettes, les petites saletés. La buse permet bien d'accéder et d'aspirer les petits coins qui sont difficiles. Si les miettes sont trop grosses ou trop nombreuses à la fois, la protection en caoutchouc va bloquer les plus gros morceaux.
qui va créer un bouchon. On est obligé de se salir les mains pour déboucher l'aspirateur. Je dirais que l'aspirateur est utile seulement pour les petites situations, sinon ce modèle manque légèrement de puissance. Le niveau sonore, on nous dit moins de 65 décibels, mais j'ai mesuré quand même 78 décibels, 78 décibels, ce qui reste quand même convenable. L'autonomie est bien respectée, on tient bien facilement 25 minutes si on utilise en continu. Le port de recharge en USB type C permet de recharger l'aspirateur facilement. Je trouve ça bien qu'ils n'ont pas mis un chargeur propriétaire qui nous permet de remplacer facilement le câble de recharge, puisque un câble de recharge en USB type C, bah ça se trouve vraiment partout, et un port USB, bah on peut le brancher vraiment n'importe où. Si on n'a plus de batterie et on veut le brancher l'aspirateur sur secteur, bah si on le branche, malheureusement, bah il ne fonctionnera pas. Donc s'il n'y a plus de batterie, il faudra attendre que l'aspirateur se recharge pour pouvoir l'utiliser à nouveau. La forme de l'aspirateur nous donne une bonne prise en main. L'aspirateur se nettoie facilement. Malheureusement, pour le vider, on doit un peu se salir les mains car il faut enlever le filtre pour le vider. Dommage aussi qu'on nous donne pas un filtre supplémentaire, mais on peut acheter des filtres supplémentaires assez facilement, en tout cas pour le moment. J'ai vu le lot de deux filtres sur Amazon pour 7€. En résumé, pour aspirer les petites saletés quotidiennes, aucun problème, mais pour aspirer une voiture complète, c'est possible, mais faut pas abuser, ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Pour info, Baseus vend un autre modèle en forme totalement identique, le modèle A3, mais avec une puissance d'aspiration 4 fois plus grande. Mais un prix aussi 3-4 fois plus grand. Si vous désirez en savoir plus, je vous mets tous les liens en description. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux, merci d'avance pour vous être abonnés. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dingo Dorwan. No, what am I doing wrong?